Les gars, j'en ai marre, j'ai envie de prendre des vacances. Et le problème, c'est que là, je suis dans mon studio. J'ai envie d'être à la plage, dans une petite piscine. Être bien, quoi, là, je meurs de chaud. Dans mon studio, je me sens renfermé. Attends, mais si je ramène la plage à moi, avec une petite piscine ici, dans mon studio. J'aurais essayé de vous projeter, là, la plage. Je ferai du badminton, des jeux de raquettes, je ferai des châteaux de sable et tout. Ça peut être cool, non? Vas-y, on va le faire. Vas-y. C'est parti. Bon, par contre, là, je suis pas en tenue d'été, donc on va changer tout de suite, c'est parti. Ah, là, on est mieux, on est plus à l'aise. C'est parti pour transformer le studio en plage. Let's go. Bon les gars, vous vous souvenez, il y a pas longtemps, j'ai fait choisir la bonne porte avec Inox. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, allez la voir, sinon vous allez être spoilé. Dans les deux portes, il y avait du sable de partout, c'était rempli. Dans l'autre à côté aussi, c'était soit l'île déserte, soit l'île paradisiaque, ici. Avec un tonneau d'eau glacée, des serpents, des vrais serpents. Et ici, c'était Transat, petit Hawaïen qui vient, qui te sert des cocktails et tout, c'était trop bien. Dans ces pièces-là, quand j'ai été ici, j'étais avec le petit cocktail et tout, je me suis dit, putain, j'ai envie de faire ça en plus gros, en mieux, dans mon studio avec une vraie piscine. C'est pour ça, c'est grâce à ça que ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, j'ai du sable, autant en profiter. Avant de tout nettoyer, autant en foutre encore plus partout. Donc c'est parti, première étape, ramener le sable à la maison. Les gars, je vous présente Justin. C'est mon stagiaire en ce moment. Enchanté. Et il passe le meilleur stage de sa vie. Enfin, je sais pas, ça sert à lui de nous dire. Une note sur 10 pour le stage. 10. Ah, voilà. Oh, Justin, regardez. Il a investi dans ce stage, les gars. Il est méga chaud. Ah ouais, les gars. Vous l'avez vu? Je l'ai gagné, l'Everest. Non, pour faire un petit débrief par rapport à la vidéo, honnêtement, avec les chaussures qu'on avait, des chaussures de randonnée. Donc les mecs nous ont dit que c'était trop dur, il y avait que la force des bras. Et en plus, j'ai l'impression que mon Spider-Man m'a un peu aidé. Parce qu'il montait plus en haut. Je vous le dis, anecdote, hein, c'était Raph sous le Spider-Man avec Inox. Donc on comprend pourquoi Inox a pas réussi à bien monter. Je vous le dis, c'est pas que je l'ai détruit Inox, c'est juste que Inox a eu un adversaire qui était moins sympa avec lui. Voilà, c'est tout. Je le dis, je suis honnête. Allez, c'est parti. On va tasser tout le sable. On va le mettre par là-bas. J'arrive pas à croire ce qu'on va faire. Je pense déjà à l'après quand je vais devoir tout ranger. J'ai trop la haine. Pourquoi je fais des trucs comme ça? Allez, encore. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez. De base, je voulais pas trop vous filmer le moment où on prend le sable, parce que c'est pas très intéressant. Mais là, on galère. On a envie de gagner du temps, du coup. On transporte tout ça. On en sûr. Attends, on dirait que j'ai rien fait depuis tout à l'heure. Ouais, je laissais moi faire semblant au moins jusqu'à la fin. 3. T'es prêt? Vas-y, tu vises tout. On va voir si t'es balèze comme mec. Tu lèves tout. Vas-y. Vas-y, 1, 2. Oh là 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 là, j'avais pas vu. Oh là là. Ouais, vas-y. Ah 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 ah. Ouais, les mecs chauds. Ce que je remarque et que vous voyez aussi à chaque fois que Pio il a dans les vidéos, il est toujours en sueur. Le mec il en peut plus à chaque fois, il donne toute sa vie. Ok, bon les gars, à la plage t'as la mer. Nous on peut pas avoir la mer, logique. Du coup, j'ai acheté une piscine gonflable. Eh, je vais pouvoir me baigner. Balèze. Loïc, viens voir. Je sais, Loïc, il est maniaque, minutieux de fou. Regarde. Non mais déjà c'est pas mal. Il y a la petite piscine, les petits ballons, le sable est là. Du coup j'ose pas marcher dans le sable, sinon je vais en mettre partout dans mon studio. Ouais, la preuve que je suis maniaque. Par contre, mon ref, les pieds de ton bureau là. Ça te stresse ou pas? Et c'est un bureau électrique en plus. T'es vraiment un malade. En plus t'as mis une bâche, même pas tu l'as bien mis. Non mais elle s'est envolée. Montre aux gens. Elle s'est envolée. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires. Et la prochaine fois, on transforme mon studio en quoi? Bon, faut pas abuser. Hein. J'en ai marre de faire des rangements extrêmes à chaque fois dès que je fais un tournage. Venez, proposez-moi dans les commentaires un tournage simple. Vraiment, ou après la vidéo, genre j'ai rien à faire. S'il vous plaît. Les gars, maintenant il est l'heure de remplir cette piscine. Et après, on pourra commencer à vraiment s'amuser. On finit tout, on remplit la piscine. Et après, bah là, ce sera 100% détente. C'est parti? Let's go. C'est parti de ça? Voilà, les débuts de la piscine. Oh là, les méga chaudes! Bon, c'est bon, on a la petite technique. C'est en train de couler. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, ça va être très long. En plus, j'ai mis de l'eau chaude, donc ça va être trop bien, ça va être un bain. Tu vas tester, hein? Ouais, toi aussi? Bah non. Il a un train à prendre, il va peut-être le rater. Pour ça, non, je rigole. Il m'a regardé. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, bah, faut faire ça, x10. C'est parti. Mais tiens, tout ça, regarde. Bah ouais, là, comme ça, on peut aller faire ce qu'on veut, là. Incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
T'as filmé ce que t'as fait? Ouais. T'as vu mon invention, dès qu'il est prêt, il tombe tout seul. C'est la pire idée de ma vie que j'ai eu. Hier, j'ai un peu rangé et c'est encore plus le bordel que quand j'ai rangé. J'ai soulevé le tapis, mais en fait, il y avait une plage sous le tapis. Oui. J'ai pas osé soulever le tapis moi, donc j'ai essayé. Oh ah non, là-bas, c'est pas grave. Hein? Viens voir, mec. Vas-y, viens. Oh, mais mes chaussures. Ouais! Quoi? Mec, j'en peux plus, c'est la pire idée que j'ai eue. Mec, à remplir, ça met 20 ans. Ouais, mon bureau, il est sous les cocotiers. Alors, par contre, je le jure que j'ai envie de vraiment me poser là. Tu vas te baigner? Oui, tu sais que j'ai mon maillot. Ah ouais? Ah, tu l'as pris? Ouais, bah. Oh, t'es un génie. Après, moi, j'ai ramené mon maillot, j'ai mes petites lunettes. Et bah, là, parfait. Je suis venu en détente, t-shirt. Bah, on va pouvoir faire un peu de raquettes. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Combien de temps juste pour le sable? Combien de temps, Nami? En vrai, pour le sable, on a pas mis longtemps, on a réussi à aller vite. Le pire, c'était vraiment bah ça, la piscine. À remplir, c'est une galère. Bah, mec, franchement, je suis content, mais d'un côté, je pense juste à l'après, en fait, qui me fait peur. L'après, ah, mais on est pas ensemble, hein? Bah, attends. Non, mais si moi... tu t'amuses à l'intérieur, tu aides, hein? Non! Ok, bah. Bah, non, moi, je profite. Ok, bah, je suis en profiteur. La piscine est ouverte seulement à ceux qui vont aider. Même si je lâche un petit billet. Ah, là, on parle à autre chose, là. C'est comme à la piscine, merde. Bah, y'a rien. C'est dans mon portefeuille. Bah, tiens, t'es une coque Questify. Bah, yes. Bon, je vous dis, cette vidéo, ça devait être une vidéo détente, cool et tout. Au final, elle part un peu en vidéo, genre. C'est chiant, c'est long et ça devient même plus fun. Genre, le but de ces vidéos que je fais à chaque fois, c'est parce que je me dis c'est trop cool. Genre, pourquoi le faire et tout? Personne ferait ça. Mais voilà. Voilà, je lâche sur les fenêtres parce que je me dis le vent avec le sable et tout, pas bon délire, je crois. Des fois, je me demande pourquoi je fais tout ça. Vraiment, je le fais vraiment par pur plaisir. À la fois, quand j'ai l'idée, je me dis putain, mais trop bien, c'est trop kiffant de faire ça. Genre, les gens ont la flemme et moi je le fais parce que c'est trop kiffant. Mais en fait, je me rends vite compte que cette idée, en fait, je comprends mieux pourquoi personne le fait. Parce que c'est archi con et vraiment pas fun. Quand tu le fais, tu te dis ouais, ça va être trop fun, j'ai trop hâte. Mais à la fin, limite, là, j'ai même plus envie de me baigner. J'ai même plus envie, je vais être là dans l'eau en train de penser à l'après. Bon, en tout cas, on va faire une petite activité. J'ai acheté plusieurs trucs, regardez. On va commencer par... Ouais, ça, regardez. On va se poser là. Bon, en gros, ça c'est un petit jeu, c'est super sympa. Donc là, tu mets ça sur le sol. Et après, avec le petit cercle, tu dois réussir à... Oh non, j'ai perdu. Je faisais même pas pour regarder dans les yeux. Cette vidéo, quand j'ai acheté tout ça, je me suis dit, ça va être archi fun, je vais grave m'amuser et tout, genre. Allez, Pio. Allez. On lâche pas. Il est à fond. Putain. Ça se remplit de la piscine. C'est un peu plus fun après. T'as vu mon jeu comment il est trop fun, Pio? Regarde. C'est incroyable. Vas-y, viens, 2 secondes, on fait un duel. Vas-y, commence. Ah bah attends, vas-y, wow. Encore plus près. Comment tu peux t'embrouiller ce genre de jeu, genre? Attends, Pio, fais pas ça, s'il te plaît, recule-toi. Quand même, un minimum. Putain, mais c'est italien, hein. Oh là là! Ok, il est risqué! Ah là là, est-ce que vous avez vu à l'image ou pas? Ah, c'est italien! Il a... Hey, t'as fait vraiment ça, Pio! Bah non! Même comme ça, j'ai pas réussi! Mais c'est ce qu'il a fait! Quand on fait un château de sable, faut vraiment être par terre! Je déteste être par terre, les gars, sur le sable! Ça me m'insupporte! Ok, je prends tous mes petits outils! Sauf que c'est pas du tout confortable le sable, je déteste, j'en ai partout. J'avoue, des fois je suis un peu. Comment on dit? Pas maniaque. Je fais trop de manières. Mais c'est juste que je sais pas, le sable ça en fout partout, t'en retrouves toujours partout. Et moi je trouve l'idée de faire ça. J'aime pas être à la plage. Quand je suis à la plage, je me fais un peu chier même. Par contre, je vois des jeux comme ça, je kifferais bien. Après, juste personne veut jouer avec moi quoi, normal. Genre les gens de mon âge ou même les gens plus vieux, ils ont pas envie de faire ça quoi. Mais c'est trop cool, j'adore faire le château de sable. Et juste dans la plage, vas-y. Je suis désolé, je pars dans tous les sens. Je comprends rien, cette vidéo elle me rend fou. Ok, bon. Oh, il y a un Spider-Man. Ok, on va commencer déjà à faire un petit Spider-Man pour voir les gars. Alors, si je me souviens bien, vous pouvez mélanger. Voilà, ça j'aime pas ça, tu vois. Vous pouvez mélanger le sable avec un peu d'eau. Oh putain, un peu d'eau, j'ai dit. Je déteste jouer avec le sable, ça me dégoûte. Ah. J'ai essayé mon Spider-Man ou pas rien. Hop là. Ouais, on s'amuse trop bien. Les gars, je vais essayer d'overreact. Pour voir mes potes comment ils réagissent. Ouah, trop stylé le sable, ouah. Oh, trop bien le château et tout. Arrête de faire semblant de t'amuser. Ok, ça va, c'est des bons potes. Ok, allez, je déteste ce que je suis en train de faire, sachez-le. Enfin, j'apprécie, mais comme ça. Le sable et tout ça, c'est... Je trouve pas ça très agréable, je vous dis la vérité. Attention, vous êtes prêts? Yeah. Il est incroyable, mon château. Bon, allez, c'est parti. J'ai mis mon meilleur maillot de bain. Et puis, bah, on va aller tester la piscine. J'espère qu'elle est bonne, l'eau. Elle va être froide, je le sens. Mais non, les gars. C'est froid? Non. Oh, gros, la tête de ma mère, c'est méga. Wow. Voilà, c'est ça que je disais. Autant de préparation pour un truc, au final, j'ai même plus envie.
je vais pas du tout être à l'aise. Le cul, le cul. Là, c'est la barrière là. Là, c'est toujours la zone à maîtriser là. Sinon, je vais dans le petit bateau. Assieds-toi et prends un petit cocktail. Regarde, Inox, quand il était dans le truc d'eau froide là, je lui dis ouais, fais genre Scarface. Aucune réaction. Il a pas réussi. Bon, rien. Bon, après, il y a pas de l'eau glacée, mais il en est pas loin. C'est encore pire parce que tu sais, l'eau elle remonte et elle descend. Allez, c'est bon là, on y va. Tu veux que je vienne? Vas-y, vas-y, viens. Après, Pio pose la cave sur la chaise là-bas et tu viens. Oh les gars, on est trop bien ici. Je suis trop des barres de LOL. Oh, regarde ton t-shirt qui va être. Ah ouais, putain. Ah oui, c'est vrai ça. Après, les abonnés, ils vont voir mon corps de dieu et ils vont tous vouloir cliquer sur mon corps là. Cliquez sur mon corps. Oh hey, on est en vacances ou quoi là? Ouais. Mec, impossible, je m'assois. C'est froide? Non. Non, allez, en vrai, il est hyper. Assieds-toi, mec. T'as ouf? Ouais, si, je m'assois là. Scarface. On va voir celui qui arrive entre nous quatre. Ah ouais, Scarface? Ouais, vas-y. Regarde la caméra. Je comprends pas, elle est froide, c'est ça? Non. Pose le dos. Ouais, vas-y, Scarface, il est fou. Ah, sa mère! Non, je peux pas! Allez, vas-y, allez, tire! Ah, ah le bâtard! Quoi? T'as l'air, ma fille, y'a quoi? Arrête de faire bouger l'eau, enculé! Oh, ça va! Oh, calme sa mère! Il calme! J'ai dans le petit bateau! Non, oh, non! S'il vous plaît! Non, on joue pas ça! S'il vous plaît, j'ai pas joué moi! Non, faites pas les joue, y'en a un qui fait ça, je vais me la tête! Arrête! C'est ça que la mousse! Non! Mec, je te jure, je vais me venger comme un malade! Vas-y, regarde la caméra, Pio! Scarface! Non, mais frère, c'est un mec de la plage, lui! C'est un mec de la plage! Requin. Arrête. Non, joue pas ça, on a dit. Non, arrête là, moi. Ouais, non, s'il vous plaît, pas la mort. Vas-y, attrape un poisson. Il arrive même pas à attraper un poisson, regarde. Non. Mec, attends, qui a des couilles et qui se met en mode pompe? Non. En mode comme ça, en mode vas-y, pompe. Vas-y. Vraiment me mettre tout dans, en entier, hein. T'inquiète. Allonge-toi en mode la tête dessus. Mec, je te ferai rien parce que je vois qu'il me le va. Attends, dis-nous dans le cul. Non, vraiment, y'a rien en dessous, pitié. J'ai vraiment un truc dans le cul. Vas-y, fais une pompe. Les gars, il manque un siège. Wow. Attends, je fais une pompe, je crois que. Vas-y. Oh, l'OM. Vas-y, non. Allez, on est dans mon outil de travail ici. Oh putain, c'est froid quand même un peu. J'aurais jamais dû faire ça. Tu fais le monde de demain. Le monde de demain. Attends, pourquoi t'as des poissons dans ton caleçon là? Je vais faire ça, ils sont en poisson. Vas-y, ouvre la bouche, Pio. Viens. Il a mis dans son zizi. Il a mis dans son zizi. Putain, c'est des vraies boules. Ah. Et ouais, c'est les miennes. Ah, j'ai cru. Ah, il pisse. Bordel, c'est horrible. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire la prochaine fois on fait quoi dans mon studio. Et ou tout simplement dites-moi ce que vous en avez pensé et venez on fait des idées plus simples la prochaine fois. Parce que là j'en peux plus de faire des trucs comme ça. Bisous.